fond, j'ai l'impression que je vous fais peur. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher comme ça? Je ne vais pas crier, s'il vous plaît. Allez, venez, 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 venez. S'il vous plaît. J'ai ouvert le micro. Et puis ensuite, c'est le labo qui va commencer parce que vous êtes partie prenante du labo. Ben allez-y, mesdames, rentrez. Venez, venez, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas exclusif. Bienvenue, rentrez. Voilà, je vais attendre un petit peu nos nouveaux arrivants. Comme ça, on va tous commencer ensemble. Alors, maintenant que nous sommes quasiment au complet, mesdames et messieurs, l'Afropolitan Festival est ce que l'on appelle, dans mon métier, le project management, c'est ce qu'on appelle un programme. Donc ça veut dire que c'est une série de projets qui ont de la cohérence entre eux, ici organisé par Beaux-Arts, qui a choisi une série d'acteurs, pour y faire se rencontrer le public habituel de Beaux-Arts, nous, Afropéan Project, et vous. Ceci de façon durable, ils veulent et nous voulons que cette action s'inscrive dans la durée, et ceci avec la volonté partagée de leur part et de notre part de se tourner vers le futur. Voilà. Je ne sais pas quelles ont été les discussions difficiles dans le débat d'avant, je n'y ai pas assisté, mais il y a une base d'échange ferme que Afropéan Project pose, c'est construire le futur ensemble. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'Afropéan Project est en train d'agir. Cette vision, moi et les personnes d'Afropéan Project, elles nous parlent. Et c'est pour ça que Paul Dujardin, l'Africa Desk de Beaux-Arts, qui a été créé il n'y a pas longtemps, Georgina Baker, avec qui on a travaillé pour créer de façon pratique ce labo, et particulièrement Kathleen, Lowe et Ayoko, eh ben, j'ai une pensée positive pour toutes ces personnes. Parce que c'est avec eux qu'on prépare des bons petits coups comme cela, des petites choses, à mon avis, une petite perle qui va durer longtemps. Alors, bon, cette vision de Beaux-Arts, elle cadre aussi avec la vision d'Afropéan Project. Pour quelle raison? Parce que la vision d'Afropéan Project, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est de promouvoir ce qu'on appelle l'afropéanité inclusive et ouverte. Ça veut dire la double culture dans la tête des gens, ceci, quelle que soit sa couleur de peau. Voilà, parce que pour nous, qu'on soit blanc ou noir, au bout d'un moment, ou métis ou d'origine chinoise, à partir du moment où on a la double culture, qu'on soit blanc ou noir, il faut être capable de sortir au-delà des prisons que soi-même on se met par rapport à sa couleur physique ou que d'autres veulent vous mettre. Voilà. Et Afropéan Project est là pour stimuler ça, ce regard vers le futur, voir qu'est-ce que les gens ont en commun. La deuxième chose, évidemment, c'est de stimuler le talent des Afropéens. Voilà, la valeur des gens, la pépite, ce qui fait que chaque jour, quand vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, eh ben, vous vous donnez à fond. Afropéan Project, c'est aussi ça, la vision. Et c'est dans ce cadre qu'avec Beaux-Arts, nous trouvons la collaboration intéressante, et j'espère que c'est le cas aussi de leur part, vu qu'ils nous font l'honneur de nous inviter ici pour qu'on coproduise ensemble. La dernière chose pour terminer, c'est que je veux parler un petit peu d'éthique et de ce qui nous prend aux tripes, quand je parle parfois avec les gens avec qui nous travaillons ensemble, c'est que rendre meilleurs les gens, nous rendre meilleurs, et surtout, par-dessus tout, se rendre meilleur soi-même. Parce que l'exemple, il commence là. Quand on veut un changement quelque part, quand on veut que les choses soient plus positives, on doit incarner ça d'abord soi-même, avant de le demander aux autres.
le plus important avec le recul, on se dit, est-ce que ce n'est pas ce qu'on n'appellerait pas le projet de vie, mais le projet d'existence? En résumé, c'est lorsqu'on va se regarder dans le miroir à la fin de notre vie, la personne qu'on veut voir. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Se dire, même si je n'ai pas réussi tout ce que je voulais faire dans ma vie, ce qui comptait pour moi, je me suis battu à fond dans le respect et dans la tolérance vis-à-vis des autres. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Et je pense qu'au fond de vous-même, au fond de nous-mêmes, parce que à Afropéan Project, nous sentons que nous sommes une partie de cette société, est-ce que le plus important, au fond, ce n'est pas de laisser la partie la plus noble de nous-mêmes, la partie supérieure de nous-mêmes, ben juste de ne pas rester sans rien faire? Elle a besoin de faire quelque chose, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de construire cette partie supérieure de nous-mêmes. Alors, Afropéan Project est là pour stimuler cela, mais surtout, surtout, ce qui est important pour moi, construire le futur. Construire le futur commun, un avenir commun pour toutes les personnes qui se considèrent comme des citoyens qui font partie d'ici, faire émerger par la force du travail des petites choses, des causes qu'on choisit. La cause n'est pas obligée d'être Afropéan Project, ça peut être le développement durable, ça peut être les circuits courts, voilà. Faire émerger, influencer de façon positive sa société autour de soi. C'est ça qui est le plus important. Et pour conclure, je peux dire que quel que soit ce qu'on dise, vivre une société où l'idéal, parce qu'on n'y est pas toujours, mais l'idéal, c'est d'avoir des citoyens égaux en droit et en devoir. Quand on regarde l'histoire, c'est un grand débat, on ne va pas l'ouvrir ici, ce n'est que ici et à cette époque, surtout depuis après la Deuxième Guerre mondiale, que les gens sont en train de le faire. Une société qui fait qu'un pauvre et un riche sont égaux en droit devant un État, c'est ici et c'est à cette époque que ça se fait. Donc au bout d'un moment, quand on a envie d'être ce que moi j'appelle un playful citizen, un citoyen partie peu prenante à 100%, surtout dans le contexte actuel, on se rend compte au bout d'un moment que ce qui est important, ce n'est pas de défendre ça, mais c'est de faire continuer à vivre ça soi-même avec son petit combat positif. Voilà, ça c'était le petit message qu'on voulait vous passer. Pour le reste, on vous souhaite un bon labo et un bon Afropolitan Festival. Voilà. Ok, Tom, tu me mets un peu de son, s'il te plaît? Ok, merci Tom. Bon, ben voilà, bonjour à tous, ça y est, le Lab 3, donc l'Afropéan Labo 3 démarre, c'est maintenant. Alors, on dit Afropéan Labo 3, c'est parce qu'il y en a eu deux avant, c'est logique. Alors, il y a maintenant, c'était au mois de mai dernier, que nous avons commis le premier laboratoire, ici, dans cette salle. Nous avons commis un deuxième laboratoire ensuite au Théâtre Varia, qui est le deuxième partenaire, parce que si nous avons Beaux-Arts comme partenaire, nous avons aussi le Théâtre Varia comme partenaire, deux grosses institutions. Et nous allons lancer le troisième laboratoire ici. Alors j'arrête pas de dire laboratoire, mais qu'est-ce que c'est en fait? En fait, les laboratoires ont été imaginés dans le cadre d'un projet un peu plus vaste, que nous avons appelé Magnitude 16-19. Donc ça commençait en 2016 et ça va se terminer en 2019. Pendant ces 4 années, nous allons faire 8 laboratoires publics et 2 laboratoires artistiques. Les laboratoires publics, c'est des instants un peu comme maintenant en fait, où on vous donne rendez-vous, on donne rendez-vous à la société civile pour s'exprimer sur le droit à la double culture. Et aussi sur des sujets, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans la cellule culture de l'Afropéan Project, c'est la place des Africains, des Afro-descendants sur les scènes européennes, au cinéma, à la télévision, parce que ça se passe pas comme il faut, quoi. Le laboratoire 2, qui a été fait au Théâtre Varia, a été fait en réaction, en fait, à un spectacle.
Il se fait qu'on a été voir un spectacle au Théâtre Varia qui s'appelait Il ne dansera qu'avec elle, qui était un spectacle d'un grand metteur en scène, en tout cas un metteur en scène, un futur grand metteur en scène, en tout cas quelqu'un qu'on considère comme l'avenir du théâtre belge. Antoine Lobin, il s'appelle. Il a fait un beau spectacle, très beau spectacle, sur les relations hommes-femmes. C'est un spectacle magnifique. Mais le seul problème, c'est que sur le plateau de théâtre, il manquait quelques couleurs, on va dire, quelques réflexions sur la diversité. Donc concrètement, c'était des blancs qui parlaient entre eux, entre bourgeois, entre hétéros. La diversité n'existait pas. Alors on a été voir le gars. On lui a dit, tu sais quoi, on va faire un débat et on va t'inviter à ce débat et on va parler de la place des comédiens sur les scènes européennes. Il faut savoir que ce monsieur est le directeur de publication d'un grand journal qui est très important pour le monde du théâtre, qui s'appelle Alternative Théâtrale. Et donc on lui a demandé, comment t'as fait ton spectacle ? Il a dit, ben, j'ai pris des potes et on a parlé, quoi. Je dis, waouh ! Donc en fait, t'habites à Bruxelles et tes potes sont que blancs ? Mais comment tu fais ça ? Comment c'est possible que tu n'aies que des potes blancs ? C'est ça ta réalité ? Parce que moi, j'ai pas que des potes blancs. J'ai aussi des potes asiatiques et ils n'ont pas la même sexualité ou les mêmes rapports. Hein, on ne se touche pas de la même façon en Asie, en Afrique ou ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais quoi comme spectacle ? Alors il était un peu mal à l'aise, etc. On a dit que c'était pas grave, hein. Mais on a réagi. Et on a décidé de faire un laboratoire public en faisant du théâtre de l'invisible. On est présent au milieu de tout le monde, mais souvent on ne nous voit pas. Eh bien on a décidé de jouer le jeu. On a fait du théâtre de l'invisible. Et on a décidé de faire un laboratoire qui s'appelait l'amour en couleur. Je vous propose de regarder quelques images. Marc. Alors, est-ce que je suis bien dans le cadre ? En fait, j'ai tout essayé. Ouais, je crois que j'ai essayé l'amour en couleur, mais ça va pas. En fait, moi, je crois que j'aime les femmes. J'aime une femme. Oui. Hein? Non, je lis mon texte. Moi, Drew Masuka, père de cet enfant. C'est le texte de Jean Boffin. Qui n'est passé par le lit de Réa. Combien ont posé leurs sales pattes sur elle? Seront-on... Avec un accent africain. Moi, Drew Masuka, père de cet enfant. Qui n'est passé par le lit de Réa. Combien ont posé leurs sales pattes sur elle? Selon-t-on le nombre de ceux qui se sont emparés de son corps comme d'un butin? Et papa, ils se sont tous abreuvés de son sexe. Hein. Non, tu vois, je ne maîtrise pas. Mais... C'est elle. Je crois pas, je t'attends.
Ah, messieurs, dames, nous rentrons dans le débat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le débat a lieu. Des déterminismes de pigmentation par rapport à la distribution. Mais par contre, ce qui est important, ce qui est primordial, c'est l'intensité de la scène, l'intensité du plateau et l'intensité d'une distribution qui devient voilà, la parole de l'humanité. Ça vraiment, c'est, je crois que c'est quelque chose, c'est ça, voilà, sa manière d'avoir pensé le théâtre, d'avoir quitté aussi sa géographie, l'Angleterre, d'avoir été en contact d'autres cultures, normalement c'est important ce qu'il est, ça c'est important. Comment il a pu à la fois régénérer son théâtre, régénérer sa pensée, parce qu'il y a une pensée puissante dans son théâtre. Et voilà, et puis il y a des auteurs comme ça, comme Colpès, comme Shakespeare, voilà, et à travers ça, ce qui m'anime moi. Et en même temps, oui, ce qui est, si je vois par exemple mon expérience, c'est que le théâtre, c'est peut-être l'endroit où j'ai jamais eu à me poser cette question, c'est-à-dire que j'ai pu jouer le rôle que j'avais envie, j'ai pu mettre en scène des auteurs, par exemple, je suis dingue des auteurs scandinaves, et c'est vrai que. Quand j'avais monté par exemple Hiver de Jan Foss, il y a des journalistes qui me disaient mais Jan Foss, pourquoi ? Je disais mais pourquoi ? Et je disais oui, mais quoi ? Et vous, la Scandinavie, since I fell for you.
tous le droit à commettre des erreurs. Pendant trop longtemps, pour nous deux, j'ai vécu avec la peur de ne pas assurer. Project. Je suis afropéenne, je fais partie de la cellule culture, je m'occupe notamment de la page Facebook et on peut dire que je suis une afropéenne convaincue. Facebook ? Je mets quand même plein de publications et tout, ouais. Je fais aussi de la radio avec Afropéenne Echo et tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que t'as d'afropéen toi ? Plein de choses, je fais la page Facebook. Ouais, tu fais la page Facebook, on a compris. Moi, je suis un peu des fois du pili-pili, j'aime bien. Quoi. Ouais, ça pique un peu, mais c'est sympa. Mais t'as des enfants, toi ? T'as des enfants, tu sais ce que c'est que d'avoir un enfant et de mélanger deux cultures, tu sais ce que ça implique ? Tu sais ce que c'est ? Je vois pas le rapport. L'avenir des choses, c'est les enfants, c'est pas Facebook. C'est pas je m'occupe de la page Facebook. Tu comprends ça ? C'est l'avenir, c'est autre chose. Ouais, c'est ça qui fait aller de l'avant. Okay. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Mais oui, de toute façon. C'est pas. Non, bien sûr. Ouais, je. Évidemment. Ouais, je comprends bien. C'est ça qui compte. It's not your situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just me, I'm an addict for your love. I'm not the only one, I told you, never have a shot, I told you, you're my only girl. I'm not the only one, I told you. Never have a shot, I told you, you're my only word. Georgia, Georgia, pouldn't pa, he kissed the girls and make them cry. Georgia, Georgia, pouldn't pa, he kissed the girls and make them cry. Georgia, Georgia, pouldn't pa, he kissed the girl. And makes them cry. Je crois qu'il n'y a plus rien à se dire. Sinon, on finirait par se battre.
C'est vrai? J'abandonne. Ça n'en vaut pas la peine. Oui, je sais. Non, non, ça n'en vaut pas la peine. Je ne t'aime pas. Et je doute sincèrement que tu m'aies jamais aimé. Ben moi, je crois que je suis la seule à savoir ce que j'ai ressenti ou pas. Ce grand et magnifique amour, vainqueur de tout. C'est Walt Disney qui a inventé ce plan. Et tu sais que j'ai horreur des scénarios de ces films. Si je suis là, c'est pas pour parler de Blanche-Neige, ok? Tu t'es mise avec moi. Malgré ta famille. Uniquement dans le but d'approcher un black. Parce que ça t'intriguait. Que tu penses? Sincèrement. Ah ouais, vraiment. Moi aussi, je voulais approcher une blanche. Ouais. De toute façon, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai un truc à te dire. J'espère que ça va s'arranger avec ta femme, voilà, c'est ça. Attends une seconde. Et toi, ça va aller? Ouais. Moi, ça va aller, ouais. Êtes-vous afropéen? Célibataire ou en couple, êtes-vous afropéen? Monsieur, madame, vous me paraissez d'origine africaine. Vous vivez en Europe? Oui, je vis en Europe. Vous sentez-vous afropéen? Il faut définir afropéen, mais oui, c'est entre la... Quelle est votre définition? C'est un mix de cultures entre les origines, l'Afrique et l'Europe. Y a-t-il d'autres personnes qui se sentent afropéens, afropéennes? Ou pas? Oui, je ne me sens pas afropéenne. Parce que je suis africaine, j'ai été africaine depuis le jour où je suis née, et ma nationalité a changé il y a environ 10 ans, mais par un concours de circonstances, je dirais. Monsieur, vous sentez-vous afropéen? Madame, vous sentez-vous afropéenne ou pas? Je me sens bien plus que ça. Je pense que ça va au-delà de la double culture. Ça va dans le sens de partout où vous irez, partout où vous résiderez, vous prendrez une partie de la culture locale. Ce qui veut dire que si vous faites 10 pays dans votre vie, que vous y restez chaque fois 10 ans, en mourant à 100 ans, vous aurez 10 cultures. Moi, je me sens pas afro-européenne. Je me sens française, bretonne, belge. Pour l'instant. En fait, moi, je veux, pour être sincère avec vous, je me sens d'abord comédien. Je me sens d'abord acteur. Je me sens d'abord amoureux de la culture, des arts. Je me sens amoureux d'un métier qui me permet de connaître le monde. Oui, je viens d'Afrique, je suis né en Belgique, mais ce qui m'a aidé à me définir, c'est la route que j'ai prise. Et j'ai décidé de prendre la route de l'art. L'art m'a touché. Et cet art me fait rendre compte de mon identité.
Quand je suis sur scène, à chaque seconde que je vous regarde, à chaque seconde que je chante pour vous, il y a cette part d'africanité qui est en moi. Que j'assume ou pas, comme mademoiselle, voilà, je suis africain, ou pas. Mais là n'est pas l'essence. Pour moi, l'essence d'être afropéen, c'est quelqu'un qui se définit entièrement selon les identités qu'il a. Et moi, il se fait que j'ai la chance d'avoir été un jour touché par l'art. Ça m'a permis un... C'est rien. Mais oui, non, mais merde, il faut que les gens comprennent, quoi. Ben, voilà. Est-ce qu'il y a des spectacles afropéens? Connaissez-vous des spectacles afropéens? Si nous voulons vivre jusqu'à demain au Le Public, Étienne Minungu, Nuit Blanche à Ouagadougou, 7 et 8 février, spectacle de danse autour de Fela Kuti. Colonialoscopie jusqu'au 9 février au Marny. L'histoire de la Belgique racontée. Calcutta République du 15 au 17 février, centre culturel Jacques Franck. Et Crevé d'amour du 14 au 25 février, centre culturel Jacques Franck. Antigone. Terre Noire, le 22 février au Volubilis. Spectacle où deux acteurs belges ont été ignorés par la critique. Picho Wonga Konga et Babetiza Sadjo, jouant aux côtés de Hippolyte Girardot et Roman Boringer. Deux comédiens belges. Picho Wonga Konga, Babetiza Sadjo. Tiens donc. 10 millions de Belges, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, ben, je suis juste un comédien touché par l'art qui utilise ce qu'il a au fond de lui pour, quelque part, faire un monde meilleur. Cet enfant qui n'est passé par le lit de Réa, combien ont posé leurs sales pattes sur elle? Sauront-on le nombre de ceux qui se sont abreuvés de son corps comme d'un butin? Tous ont abreuvé son sexe. Combien de fois n'ai-je pas dû y assister, posté juste derrière la porte? Article 1, garde du corps. Le garde du corps doit être présent et alerte à tout moment. J'ai dû écouter ces soupirs immondes dans les bras du christianisme. Elle l'avait rencontré au Proche-Orient, en Palestine, avait-elle dit, s'imaginant qu'il l'emmènerait directement au paradis. Elle est devenue celle qui devait le servir. Lui, rien que lui, toujours lui, sa jalousie était sans limite.
Ils ne supportaient personne qui puisse approcher Euréa. Alors, il fallut allumer des bûchers, passer par le fil de l'épée, dresser des tribunaux. Il fallait éliminer toute concurrence. Elle s'y est mise avec acharnement. L'esprit d'Euréa était complètement à sa merci. En même temps, il était d'un orgueil démesuré, se croyant parfait physiquement et spirituellement. Euréa devait parler de lui à tous, construire des édifices à sa gloire aux quatre coins du monde. Son orgueil le conduit à vouloir être élevé comme elle. Il fallut lui bâtir un état rien qu'à lui. Mur, drapeau, garde suisse, pour qu'enfin il cesse de lui pourrir la vie. Après, ce fut au tour de l'esclavage de prendre possession d'elle. Je la reconnaissais à peine. Ce n'étaient plus des soupirs d'extase désormais, mais des bruits étouffés, des gémissements, des claquements, suivis de cris rauques. Parce que là, il s'agissait d'un univers particulier. Il s'agissait de chaînes, de fouets, de contraintes, de saillies, de souffrances, de liens, de domination, de soumission, de coercition, de viol, de fouets, de mépris, de distance forcée, de peau, de honte, d'ordre, d'ordre, de fouets, de fuite, de punition, d'obéissance, 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 de peur, de fouets, de bâillonnement, de silence. Après cela, je croyais qu'elle aurait compris et que certaines pratiques ne lui valaient rien et que je réintégrerais son lit comme avant. Mais non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tout le monde aspire au confort. Et Euréa ne fait pas exception. Elle aime la somptuosité, l'opulence. Elle est prête à tout pour cela. Le colonialisme était méprisable. Tout aussi brutal que son amant précédent, mais il était bien plus généreux avec son agent. En plus de me faire subir tout ça, elle était maintenant devenue complètement vénale, une pute. Il est facile de se voiler la face, il est commode de ne rien voir. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne reconnaît toujours pas que le colonialisme avec ses manières d'arriviste et son putain de fric n'ont rien changé à sa réputation, mais qu'en plus, l'avenir devenait beaucoup plus compliqué sans ses liasses de billets. J'ai fermé les yeux, je l'avoue. J'en ai profité, tout le monde l'a fait. En compagnie du colonialisme, elle a survolé les continents, tel un subuc chevauchant un balai. Elle l'a ordonné. Désirius. Désirius. Mobilise les légions d'ordre afin de dominer tout azimut. Du Tonkin à Ceylan jusqu'au Yémen et du Cap Bonne-Espérance à Gibraltar en passant par Angola. L'Empire Ashanti, l'Empire Mandingue, Fermandopo, Djibouti et Comores. Certains parmi eux remontèrent le fleuve Congo, traversant la Roche jusqu'à Paul Malébo, Kinshasa, Brazzaville. Tout cela représentait des terres à n'en plus finir, des richesses à ramasser à l'appel, des bras à ne plus savoir qu'en faire. On dut dépêcher des équipes d'ogres, trancheurs de territoire, d'ogres, égorgeurs de femmes et d'enfants, d'ogres. Ogres, trancheurs de territoire, ogres, égorgeurs de femmes et d'enfants, ogres, administrateurs de population, ogres, coupeurs de mains à la hache, ogres, missionnaires. Ogre sensibilisateur politique, ogre moissonneur financier, ogresse, ogre mandat des minerais, ainsi que ogre à valeur d'huile de palme. L'argent rentrait à flot. Il suffisait de se baisser un peu pour que la balance des paiements reste excédentaire. Puis un jour, le colonialisme est parti. Le train de vie s'est arrêté d'un coup. Heureusement, Euréa n'avait pas été folle et avait mis pas mal d'argent de côté, mais il n'est pas éternel et commence à se tarir. Elle est obligée maintenant de se débattre pour conserver un peu de la splendeur de cette époque, mais quoi qu'elle fasse, les choses ne seront plus jamais comme avant. Euréa avait rencontré la théorie des races alors qu'elle n'était pas au mieux. Elle avait des incertitudes sur elle-même, doutait de sa beauté, pire encore qu'à l'heure actuelle. Elle remettait en question jusqu'à la forme de son nez, de ses hanches. Elle avait besoin d'être rassurée en permanence. Elle pleurait pour un oui et pour un non. Je n'arrivais plus à la consoler.
C'est à ce moment-là que la théorie des races a fait son apparition. Le salaud savait comment lui parler. Il avait de belles manières à tensionner, distribuait des compliments comme l'autre distribuait son fric. Dans la maison, tout le monde s'est laissé prendre à son jeu pervers. C'était un intellectuel qui savait manipuler les concepts et les êtres. Il trouvait les mots qu'il fallait pour les mettre dans la sa poche. Elle pouvait s'enfermer des heures avec lui. Malgré ses airs empruntés, je trouvais sa façon d'exhiber sa connaissance malsaine. Parce que Réal admirait sans aucune retenue, sans aucune pudeur. Même en ma présence, elle ne tarissait d'éloges pour lui. Son intelligence la désarmait, disait-elle. Elle se sentait sans force lorsqu'il argumentait. Il m'est arrivé, à travers la porte, d'entendre ce qu'il lui inculquait. C'était terrible, d'une violence obscène. J'écoutais. Il disait que certains peuples sont intrinsèquement supérieurs, d'autres inférieurs. Il disait, les maisons voisines qui sont habitées par une population aryenne ne doivent pas être endommagées. Il disait avoir lu. Anna, préviens oncle Jacob de ne plus retourner rue Copernic et embrasse la petite Sarah pour moi, ta tante Rachel. Il disait, Dachau, Sobibor, Babija, Belzec, Arpey Martre. Il disait, je ne suis coupable de rien, les ordres venaient d'en haut. Il disait, il fallait 3 à 15 minutes pour tuer les hommes dans les chambres à gaz. Nous constations qu'ils étaient morts lorsqu'ils cessaient de râler. Il disait, nous apportâmes une amélioration par rapport à Treblinka, en aménageant les chambres afin de pouvoir contenir 2000 personnes à la fois. Il disait, les femmes cachaient leurs enfants dans leur ventre. Et lorsque nous les découvrions, ils étaient tués tout de suite. Le ventre de Réa s'est acharné. Quand je pense au ventre de Réa, je vois un charnier plein de corps, séché, bouffi, pourri. Iris Calvarum. Et dans ce charnier, il y a quelqu'un qui bouge. Parmi tous ces morts, il y a un être qui demande qu'on le sorte de là. Jusqu'à présent, j'ai rempli ma tâche du mieux que j'ai pu auprès de Réa. Je la baisais aussi souvent qu'elle le désirait, essayant en même temps de tenir le coup psychologiquement. Je crois que c'est son dernier amant qui a véritablement plombé notre vie sexuelle. En voyant débarquer ce bel âtre tout en muscles, la mâchoire serrée, je savais que les ennuis allaient commencer. Les hommes qui ont connu Auréa ont tous disparu les uns après les autres, à coup de pile de temps en temps. Pas le capitalisme. Tous savions qu'il allait à Wall Street jouer des milliards de dollars au dé. Qu'il s'enivrait toutes les nuits avec des amis nommés Goldman Sachs, Nasdaq ou Dow Jones. Du coup, ses besoins chroniques en matière de pognon l'ont toujours fait réapparaître. Et lorsqu'il sonne à la grille, en repartant, on peut être sûr qu'il emmène avec lui une bonne part du magot que le colonialisme et l'esclavage ont bien voulu abandonner à Auréa. À chaque fois, à peine entrée, il n'a qu'un regard à adresser et elle se dirige sans un mot vers la chambre. Une chienne, je vous dis. Elle a sa façon qu'il a de claquer la porte sur eux. On sent qu'il veut traduire pour nous le pouvoir qu'il peut avoir sur elle. Posté juste près, je n'entends rien. Sinon un ahannement régulier, déterminé, puis un long cri de femme déchirant surgit tout droit du ventre. Le cri s'arrête net, toujours, comme si interrompu par sa bouche plaquée sur les lèvres de Réa pour la faire taire. Alors viennent les sanglots que le capitalisme consent à lui laisser se prolonger, mais pas jusqu'à reprendre son souffle, parce que le cycle recommencera pendant des longues heures. Il veille à partir de la chambre avant elle, comptant ostensiblement les billets, laissant la porte entrouverte qu'on puisse percevoir l'odeur de sueur et de sperme qu'il laisse derrière lui. En partant, il ne salue personne. Lorsque Réa sort à son tour,
L'épuisement se lit sur chacun de ses pas, chacun de ses gestes, chacun de ses traits. Ensuite, elle ne parle plus pendant 2-3 jours. Elle est comme absente. Après cette période de léthargie, elle devient survoltée. Vous allez voir, cette fois-ci, il va rafler la mise. Hystérique, parlant sans arrêt du capitalisme uniquement, de lui, de son sexe implacable, grand. Elle en parle d'une voix joyeuse, les yeux brillants, je sais. Je sais qu'il y a quelque chose de purement charnel, animal dans tout cela, mais en même temps, l'implosion d'une bulle financière peut parfaitement consumer un corps, griller des neurones. Que croyait-elle ? Qu'avec tout ce foutre répandu en elle, l'enfant qu'elle allait mettre au monde allait être comme les autres enfants ? Euréa dit ne pas le reconnaître. C'est parce qu'elle a oublié qui en sont les pères. Lianja n'est rien d'autre que le fruit de ses propres turpitudes. Il n'y a pas de génération spontanée. Évidemment, elle a des difficultés à l'admettre. Ces gens qui se pressent à nos murs ne sont rien d'autre qu'une des conséquences de toutes ces cochonneries. Personne, je dis même bien, personne, même les chefs des ogres, qui pendant tout ce temps a tenu les chiffres en place, ne veut prendre en compte la relation de cause à effet. Et à quoi, bon sang, peut-on imputer cette absence d'érection qui m'accable le moral depuis un temps ? Euréa s'en fout de mon désarroi. Ses infidélités sont allées bien au-delà de ce qu'un esprit peut supporter, et évidemment, c'est mon corps qui paie. À chaque fois qu'elle a une absence, à chaque fois qu'elle parcourt sa pensée, à chaque fois qu'elle franchit cette porte, je ne peux m'empêcher d'éprouver de l'angoisse et de l'inquiétude. Qu'avez-vous vu ? Qu'avez-vous entendu ? Qui est Euréa ? Quelqu'un veut prendre la parole ? On a un micro ? Oui. Que n'avez-vous pas compris ? Qui est Drosso Masoka ? Oui, messieurs dames, qu'avez-vous vu ? Qu'avez-vous compris ? Pas clair. C'était le texte de Jean Bofan, Euréa. Marc, débat mouvant ? Oui. Mes amis ? Ouais. Là ? Ok. Voilà. Pardon. Débat mouvant. Donc on va vous proposer de faire un débat mouvant, on vous expliquera le fonctionnement. Voilà. Et il part d'une phrase, donc on va choisir une phrase sur laquelle on va se baser pour ce débat mouvant. Et vous verrez, ça bouge, hein, comme son nom l'indique. On y va. Les alors, phrases on y va. Un acteur, une actrice nous touche parce qu'il nous... Non. C'est pas mal, cela, non ? Non, c'est classique, c'est bateau, ça. Bon. Ok. Marque suivante. Le privilège d'être blanc n'existe pas. Ouais. Bon, allez, ouais, c'est bien celle-là, non ? On l'a déjà entendu. C'est le clivage noir-blanc, moi j'aime. Non, la suivante, bon, Marcus, s'il te plaît. Un homme noir qui sait s'exprimer est issu de la bourgeoisie. Bah, ouais. Forcément, donc une autre. Ça, il faut en parler à Frédéric Dussen, tiens. L'Europe est vieille, une autre. Non. Il n'y a qu'un seul mouvement féministe. Pas les féministes. Mmh, y a des hommes, hein. Ouais. Non ? Oh, y a des dents, ça. Nous sommes tous aliénés. Bah, ça, c'est ouvert. Ça se discute, ouais. Nous sommes tous aliénés. On prend ça. Point. On dit on prend ça. Ok. On part sur cette phrase-là, messieurs, dames. Donc, un débat mouvant, c'est tout simple. Vous voyez la phrase qui est marquée là ? Si vous êtes d'accord avec cette phrase, mettez-vous de ce côté-là de la salle, s'il vous plaît.
Et si vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous doutez d'être d'accord, mettez-vous de ce côté-là de la salle, s'il vous plaît. Donc on va avoir une ligne ici, messieurs, dames. On va avoir une ligne au milieu de la salle. Vous exactement. Pouvez... Je... Vous avez l'impression d'être aliéné. Vous n'avez pas l'impression d'être aliéné. Très bien, messieurs, dames, chacun à côté. Vous n'êtes pas obligé de rester là parce que vous étiez là. Hein. Donc vous pouvez évidemment vous mettre d'un côté ou de l'autre, très bien. Donc ici, nous avons les non-aliénés et là, nous avons les aliénés. On est bien d'accord? Oui. Non, 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 c'est là, ne bougez pas alors. C'est qu'ils sont d'accord avec la phrase. Ah, d'accord. Donc... D'accord, nous sommes tous aliénés. Pas d'accord, nous ne sommes pas tous aliénés. C'est ça? On est bien d'accord? Ok. Maintenant, messieurs, dames, on va vous laisser exactement 35 secondes. Rapprochez-vous, mettez-vous en groupe, le groupe ici, je vous demanderai de discuter entre vous pendant 45 secondes, pareil, une minute. Mettez-vous voilà. ensemble. Mettez-vous mettez ensemble vos, et expliquez-vous pourquoi vous vous êtes mis de ce côté-là. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase. 45 secondes. Ouais. Après, on demandera voilà. un porte-parole. Ok, je vous demande vraiment d'avoir une discussion entre voilà. vous, s'il vous plaît. Venir nous donner exprimez-vous, dites-moi, j'ai dit voilà. ça, pourquoi ça, vous chacun, vous moi, je me suis mis là, on n'est pas aligné. Allez, une discussion, une minute, vous avez une minute. Une minute. Prenez bien tout le monde, hein. Tout le monde doit s'exprimer. Venez de ce côté-là. Tout le monde doit s'exprimer, c'est important. Loulou. T'es nouvelle ici? T'es déjà venue à Beaux-Arts? Tu connais Kathleen? Elle est là-bas. C'est une meuf super. Attention, nous sommes à 30 secondes, les amis. On va nettoyer très vite, t'inquiète. Attention. Très bien, 15 secondes, messieurs, dames, 15 secondes. On a le micro? On a le micro, oui. 15 secondes. 5 secondes. 4. 3. 2. 1. Nos deux porte-parole. Et voilà, tout le monde. S'il vous plaît. Ça suffit, merci. Merci, on s'arrête. Merci, on est obligé de s'arrêter merci. Net. Stop. On est obligé de s'arrêter net. De la frustration naît le désir, comme on dit. Les porte-parole. Alors, les porte-parole de ce groupe-ci. Qui est le porte-parole alors, de ce groupe? On va demander. Bah, voilà. Attendez, juste un petit seconde. Est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Je vais prendre l'attention de tout le monde, si vous voulez bien. Donc, on vient de faire une minute de débat un petit peu entre vous. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander à quelqu'un du groupe qui se décidera lui-même de ce groupe-ci de venir exprimer la pensée qui est la sienne et peut-être un peu la pensée collective. D'accord? Ensuite, une autre... Ensuite, elle rentre dans son groupe, d'accord? Et la personne, une du groupe ici, vient et va donner également. C'est pas une joute verbale. C'est pas une fight. C'est pas en c'est réponse. Une discussion. C'est jamais en réponse. C'est jamais en réponse, c'est toujours en réponse à la phrase, pas par rapport à ce que la personne a dit. Par contre, si on estime que ce qu'une personne a dit, même en face, fait écho chez nous et est une vérité pour nous, on est obligé, et on est sincère avec soi-même, de changer de place. C'est-à-dire que si d'un coup quelqu'un d'ici est complètement touché en accord avec ce que va dire le porte-parole de l'autre côté, il est obligé de se diriger et quand dans on dit, l'autre. Quand on dit touché, là Dominique dit touché positivement, mais ça peut aussi être touché négativement. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce que la personne en face vous rentre un peu dans l'art, il faut bouger. Il faut bouger. Direct. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le groupe, là, au moment où cette personne... Ok, c'est ça, un débat mouvant. On d'accord peut bouger plusieurs fois, oui. Bah, alors, ça va bouger plusieurs fois, c'est très simple. On a 3 minutes. Ça va durer 3 minutes, top chrono. Première personne avec d'accord. On va prendre ce... Eux, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils ne sont pas d'accord. Pas d'accord. Mais pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. D'accord avec la phrase. Qui veut prendre le micro? Prenez la parole, mademoiselle. Prenez la parole. Attention. Allez. Ça dure 3 minutes. Tout le monde va se jeter. Regardez, on est entre nous. Il n'y a personne qui voit. Hop. Je trouve qu'on n'est pas tous aliénés. Je ne suis pas d'accord avec la phrase parce que certaines personnes sont aliénées, mais on n'est pas tous aliénés. C'est pour ça que je me suis mise ici. Et il faut savoir par quoi on est aliéné. Donc la phrase n'explique pas ça non plus. Donc c'est pour ça que je me suis mise ici.
Et je crois que je vais lancer la parole à Christine. Et oh non, voilà, de l'autre côté. Merci. Merci, merci, merci. Personne beaucoup. N'est touché par mademoiselle. Personne n'a été touché parce que madame a dit. Ah, on en a une, on en a une, on en a une, on en a une. Ok, super. La parole ici. Oui. Voilà. Alors, je disais que nous sommes tous aliénés parce que, déjà pour moi, l'aliénation, c'est le fait de rentrer en contact avec quelque chose d'hétérogène. Et donc, de voir que, justement, la personne qu'on est change puisqu'on est en contact avec un corps étranger ou une personne étrangère. Et donc, de ce fait-là, à part les personnes qui sont dans des coins très reclus dans le monde, et même là-bas, il y a des gens qui sont partis, on est influencé par les expériences et les rencontres avec les étrangers, donc autres que soi-même. Et de ce fait, nous perdons l'essence de qui nous sommes réellement, puisque nous sommes affectés par l'encontre avec l'autre, qui modifie notre manière de voir les choses ou de penser. Et il est vrai que les identités sont multiples, mais il faut reconnaître que, essentiellement, ayant grandi en Europe, ma vie a été affectée par le fait que j'ai vécu ici. Et je n'aurais pas été la même personne si j'avais vécu dans mon pays d'origine. Ce ne veut pas dire que, ayant vécu dans mon pays d'origine, je n'aurais pas été aliénée parce qu'il y a des gens aliénés partout. Merci. Quelqu'un veut changer de place? C'est le moment du mouvement, là. C'est le moment du mouvement, là. C'est le moment du passage, là. Là, il y a... C'est pas... Il n'y a pas de victoire, là, derrière. Non. On dit ce qu'on pense. Ok. Next. Ouais, je voulais réagir à ce que tu viens de dire. En fait, pour moi, le fait d'être influencé, c'est pas être aliéné. À partir du moment... Ah, ok, parce que j'avais compris, en fait, que c'est comme ça que j'avais compris. Je sais pas si j'ai mal compris. Mais selon moi, à partir du moment où on est en contact avec l'autre. Et donc forcément, les autres ont un impact sur la manière dont on grandit, la manière dont on évolue. Et voilà, le fait de venir... vivre en Europe, bah oui, ça a eu un impact sur ta vie, mais c'est pas de l'aliénation, c'est être influencé, comme les gens qui t'ont rencontré ici ont été influencés par ta rencontre. Donc, je sais pas si j'ai mal interprété, mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt une bonne influence. Ok, attention, petite règle, je rappelle la règle, c'est pas un punchline entre des personnes, mm-hmm. D'accord ? C'est vraiment, on revient chaque fois là-bas à cette phrase, d'accord ? Nous sommes tous aliénés. Attention, il ne reste plus que 1 minute 30. De ce côté-ci, de ce côté-ci. Mesdames derrière toi. Il y a mesdames derrière moi. Ici, ouais. Ici. Oui, 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 exactement. Oui. Elle est revenue, mais oui, il peut y avoir des mouvements aller-retour, évidemment. Hein. Bien que je suis avec la première dame, j'ai un problème avec le tous, oui. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on est aliéné. Je ne sais pas qui, mais aliéné, oui. Par un tas de milliers de raisons. Un, c'est qui nous? Oui, par rapport à notre nature, est-ce que vraiment les gens là, avec ce caméra, cette histoire de microphone, ce stress avec le temps, oui, est-ce que c'est ça la nature de l'être humain, oui, de la personne, et toutes ces étiquettes en tant que femme, en tant qu'européenne ou afro-blabla, pardon, c'est quoi ça? Alors, aliénés, oui, nous, oui, sommes, ok, tous, ça c'est un peu politique. Bon. Très bien. Merci. Mouvement, pas. Ah. Ok, très bien, super. Ok. Il y a. Il y a. Est-ce qu'on autorise une prolongation d'une minute? Une minute de prolongation, attention. Il y a une demoiselle là. Il y a une demoiselle aussi. Hein. Et monsieur. Il y a monsieur, mettez-vous d'accord. Partagez-vous la parole. Allez. Partagez-vous la parole, soyez humain. Je me suis mis de ce côté parce que pour moi, se mettre de l'autre côté serait de dire que dans toutes les sens qu'on peut toucher cette phrase, dans toutes les sens qu'on peut la tourner, dans toutes les sauces qu'on peut la mettre, elle serait vraie. Alors que pour moi, ce n'est pas le cas. Elle est sujette à interprétation. Nous, c'est qui? Tous, c'est qui? Aliéné par rapport à quoi? Du coup, pour moi, c'est me mettre là-bas serait de dire que nous, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Tous, d'office, aliénés par rapport à
tout et n'importe quoi, ça sera toujours vrai. Du coup, pour moi, tu peux la tourner dans un sens dans lequel elle serait vraie, tu peux la tourner dans un sens dans lequel elle serait faux, et du coup, c'est pas d'office vrai. Donc voilà. Des mouvements par rapport à cette... Moi, il y a la résistance, il y a la résistance. Pour continuer en fait sur cette phrase, donc on a dit nous, tous, aliénés, mais pour moi je suis pas d'accord sur le somme. Parce que si on dit être, si le fait de dire on est aliéné, si on dit on est d'accord avec cette phrase, alors on changera pas, alors on sera toujours aliéné. Alors pourquoi dire cette phrase? Et alors moi j'ai pas envie d'être d'accord avec cette phrase parce que j'ai pas envie de la dire. Voilà. Ah, mouvement peut-être, mouvement de peut-être. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. C'est terminé. Marcus, tu peux nous. Voilà. Vous êtes. Tu peux. Vous êtes sur un bateau. Un homme noir est à la mer. Deux choix s'offrent à vous. Lui lancer une bouée. Approchez le bateau. Le cours de secourisme que vous avez suivi stipule de ne pas aller sauver à la nage quelqu'un qui se noie dans une eau glacée, car cela fera deux noyés. L'homme se noie. Vous apprenez par la suite que sa noyade était un suicide. Vous n'êtes pas responsable de sa mort. Marcus ? Attends, okay. Mesdames et messieurs, allez, venez, suivez-moi. Parler en lieu et place de l'Afrique, je dirais que même l'Afrique n'est pas au XXe siècle. Mesdames et messieurs, camarades, c'est une honte, notre honte à tous. Et il faut appeler les choses par leur vrai nom, car c'est là que commence la démarche du créateur. Si la polémique est au XXe siècle, si les fusées et l'informatique sont au XXe siècle, l'homme, lui, n'est pas au même siècle que ce que nous avons eu coutume d'appeler le progrès. Les races, les tribus, les classes, en un mot, le cœur humain, n'est pas au XXe siècle. Pendant que l'Europe joue au sage civilisé dans le dos de l'humanité, que fait le reste de l'humanité? Elle gère la polémique et disserte sur les révolutions à un moment où plus que jamais le monde a besoin d'une révolution.
La deuxième raison pour laquelle je dis non aux conférences est très simple. Vous êtes intellectuel, c'est-à-dire des ustensiles de cuisine que je digère très mal. Vous et moi ne sommes, pour ainsi dire, pas au même plan. Vous dissertez votre existence. Moi, je prends la mienne à cœur, je la frappe le cœur, je la frappe crasseusement, c'est ma face. Je crois avoir dit par deux fois à quoi servent les révolutions dans nos pays en voie de sous-développement. Je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que vous risquez de me demander à quoi servent les écrivains dans les pays qui n'ont pas eu Voltaire, ni Pushkin, ni Einstein, ni Marx. Et nous retomberions dans l'art de ronger les canons de la polémique. Nous verrions s'élever dans tous les coins de la salle thèse, synthèse et doctorat. Mais il se peut que vous ne soyez pas de ces intellectuels dont je parle. Enfant adultérin d'une logique de mythe, venu trop tard dans un monde, paraît-il, trop vieux. Je crois pour ma part que la meilleure raison de venir au monde, c'est d'y venir, avec sa propre part au monde. En tous les cas, au-delà d'une conférence comme vous l'avez souhaité, nous allons parler de mon exercice de lucidité. Parce que je crois que l'art, c'est le pur et simple exercice de la lucidité. L'art, c'est le contraire de l'exercice de la polémique. C'est le tout le contraire de l'exercice de la culture. J'appelle l'exercice de la culture la position qui consiste à placer son fauteuil dans le sens d'une culture à quatre pattes, savamment prétentieuse, et de s'asseoir sans imagination pour se mettre, passez-moi le mot, à péter la polémique. Sans être contre l'intelligence, j'avoue que je n'ai jamais compris l'intelligence des intellectuels. Mais peut-être devrais-je, pour être logique, commencer par le commencement. Estimez-vous que la littérature est une chose sérieuse? Quelle que soit votre réponse, ça ne sera qu'un point de vue. Moi qui ai des mauvaises manières de table quand il s'agit de bouffer la culture, je prendrai votre point de vue avec des pincettes. Si j'avais voulu faire une conférence, et pour les besoins de la mode, je commencerais par une citation, et là j'aurais choisi Dali. Pas pour des raisons de famille, mais simplement parce que je crois qu'il a raison lorsqu'il dit « La vie de l'homme est plus intéressante que ses œuvres ». Roman, c'est lui. J'espère que vous n'allez pas profiter de cette occasion pour me demander les raisons profondes pour lesquelles j'écris ou j'écris de moi. Et vous ne croirez pas si je me mets à vous parler en toute franchise. Alors, pour gagner du temps, je vais vous en donner une ou deux au passant. J'écris parce que mes entrailles et le bruit de ma respiration me poussent à l'écriture. J'écris parce que la page blanche, au chagrin, me donne la nausée. Elle me fait pitié. J'écris enfin, et je crois que c'est la raison fondamentale pour remettre à plus tard la mort du roman, pour sauver le doute dans l'esprit de ceux qui croient en son inexistence. Jules Verne et Kafka m'ont appris que le rêve, ou l'imagination, si vous préférez, trouve toujours sa place dans quelques réalités, que l'imaginaire d'aujourd'hui peut être la réalité de demain. Je suis persuadé que le rêve est notre première place quand il s'agit d'ajouter un peu de place en ce monde. Lui seul nous apprend que nous aurions tort de croire que le monde est déjà fait, que nous n'avons plus qu'à nous contenter de la fonction honteuse de consommation. Parmi les ustensiles de la polémique qui sont les nôtres, il y a la question d'appartenance à telle ou telle autre école. Pour l'Afrique, le point de mire restant l'infortuné M. Senghor avec sa pauvre ex-négritude. Pour être franc à ce sujet, quand la négritude passe dans la rue, par respect, j'observe une page de silence, me met au garde à vue.
Et quand les miliciens de la polémique me demandent ce que je pense de la négritude, je réponds, on ne peut plus arrêter d'être noir. En fait, je suis un homme, embourbé par tous les autres. Non point par la forme de leur nez, ni par le nombre de leur temps, ni par encore par composition chimique, ni par contrat, ou démonstration magnétique, mais simplement délicieuse manière de toucher dans la vie. Disons qu'il y a les imbéciles, les rhétoriciens de la forme de la gueule la plus ceci, la plus cela, les ténors de la longueur du nez, les racistes, ainsi que les nerfs en tête de cuisine. Mais le racisme n'est qu'un manque d'imagination et au fond, être raciste, c'est être singulièrement handicapé mental. Il s'est établi un préjugé, disons, une devinette dangereuse au noir de peu de culture. C'est celle qui consiste à penser, ou à faire penser, qu'aucune race de la terre n'est plus facile à insulter que la race noire d'Afrique. Les littérateurs se sont servis de cette devinette pour créer une école. Le danger, c'est que les hommes politiques commencent à s'en servir, comme dans les rêves. Les Juifs, celui de Hitler, auraient pu penser que leur race était la plus facile à insulter. Et les beaux rouges d'Amérique, aux premières heures de ce qui devait devenir la plus grande réserve mondiale de honte et de lâcheté. Un jour, j'ai discuté avec un écrivain qui me disait être de réputation non négligeable. Un métis mauricien. Il m'a dit qu'il était nègre de préférence. J'ai non plus avalé, lui, sa préférence. Après, j'ai compris ce qu'il entendait par préférence. Il voulait simplement dire qu'en 1942, il aurait pu être sémite de préférence. Qu'au temps des conquistadors, il aurait pu être peau rouge de préférence. Et qu'en 1945, il aurait pu être nazakien. Toujours de préférence. J'ai fini par appeler mon ami à la colonie en matière de préférence. Maintenant, il faut revenir à la cheville du problème, comme on dit dans la tribune. Il convient de savoir que la couleur, tout comme les dimensions de la gueule, ne sont pas venues de l'Afrique.
cette culture, sans les idées qu'on se coupe de cette gueule, les idées qu'on attrape de cette gueule. Un jour, j'ai dit à mon ami Yves, dans un autre de mes amis d'Europe, tu sais, dans toute l'histoire de la Terre, il y a un jour qui me fait peur, un seul, demain. Quand l'Occident aura besoin de pétrole pour respirer, et que ce pétrole sera sous le lit des Sahariens, trop fatigués pour respirer, ou sous les nattes de ceux qui dorment comme du plomb, on sera contraint de leur planter le sel, le trépan dans la cervelle. C'est déroutant pour toute l'humanité. Celui qui veut respirer, aucun principe moral ne pourra l'en empêcher. Tout comme aucune valeur morale ne pourrait empêcher les gens d'aller à Nice pour bronzer jusqu'aux ongles du sexe. Mon ami me prit les épaules dans ses mains gigantesques. J'ai cru voir un rayon de panique dans ses yeux, puis il a dit d'une voix déchirée, je croyais qu'il était facile d'être noir. Moi aussi, avec l'habitude de penser à l'Afrique du Sud, avec l'habitude de penser aux Américains et aux Indiens, avec l'habitude de penser au Ku Klux Klan, un soir précisément, le soir de l'assassinat de Luther King, je me suis dit avec quelques pailles d'agacement dans la voix, finalement, il est facile d'être blanc. Entendez facile au sens le plus agaçant du mot. Facile au moment où ce mot signifie maître. Un noir de talent a poussé l'audace jusqu'à uriner des trucs comme celui-ci. My house is my garage. Je ne sais plus qui c'était. Mais j'ai fait des efforts pour oublier son nom et aujourd'hui mes efforts sont récompensés. Si nous voulons vivre, nous ne devons pas compter sur une culture de calmasse. Nous devons créer une culture de choc, une culture de riposte. Nous devons avoir une chair de riposte, d'existence de riposte. Nous devons aider l'Occident à crever, pendant qu'il nous aide à nous accourir. Je dis Occident, que ce soit l'Occident de Lénine ou celui d'Oncle Sam, parce que la position vénéneuse d'aujourd'hui s'appelle Occident. Un autre de mes amis français, un peu moins pivillé celui-là, m'a dit « Ça ne vaut pas la peine d'avoir le cul ailleurs tout le temps, c'est très africain, mais ça finit par devenir gênant. Il faut de temps en temps se rendre à l'évidence, le tout c'est de le faire au moment. » Je lui ai répondu avec fracassante modestie, « Mon ami, c'est que vous avez une gueule déficitaire. Parce que vous avez le droit de vous rendre à l'évidence. » Vous voulez peut-être que je parte. Et je vous en prie, méfiez-vous de moi. C'est par moi que le scandale arrive. Le moment est venu de nous parler, ouvertement. C'est la condition absolue pour créer sur cette terre les cultures de l'homme qui ensemble seront la survie de la culture de notre espèce. Si l'Europe ne prend pas la responsabilité de décoloniser, elle se verra obligée de le recoloniser. Alors sera la chute de la médiocrité devant la raison, la défaite de la pensée devant la nullité, la chute de toutes les valeurs humaines que nous avons mis des millénaires à construire. Si les nantis continuent d'entretenir les conditions d'invivabilité dans les pays de la périphérie, s'ils continuent à cultiver l'insécurité, la trouille, la mort et l'intolérance, s'ils continuent à financer les horreurs et la nullité des partis uniques, un
déluge de sauterelles humaines s'abattra sur le pays. Cette vérité tord la bouche. Elle est, hélas, la mesure exacte de notre siècle. Nous autres Africains, nous ne voulons pas devenir un réservoir de terroristes et de désespérés. Nous ne voulons plus rester ces populaces maudites qui nagent comme des poissons dans les senteurs des démocraties d'État. Nous voulons que finisse le questionnement des vieillards qui se demandent quand pourront s'arrêter les indépendances et les démocraties militaires orchestrées par des maréchaux d'eau douce gradés à la nègre pour amuser la guerre. Je serais contraint de force de penser qu'être noir, ça finit par faire mal. Parce que sans fin du monde, nous serions contraints de consommer un monde dans lequel nous aurons été absents pendant trop longtemps. Mais je continue d'espérer. Et tout écrivain noir devrait espérer comme moi et imposer à tout prix son cœur à la raison occidentale. Il est vrai que le cœur est inutile, mais la raison est laide. Et il faut que la beauté, par son inutilité, écrase la laideur de la raison. L'humanité ne sera plus qu'un vilain mensonge dans la bouche de l'histoire, plus d'intelligence, donc plus de progrès. Ce sera le commencement des douleurs, le déluge ou la dictature de la laideur.
Et impardonnable, j'ai oublié la scénographe. Marie-Bénédicte, vous. Mais